sommes réunis à Nieul-le-Deulan pour clôturer la semaine de l'environnement faite à l'occasion des 20 ans de la communauté de communes. Alors pourquoi l'environnement? Tout simplement parce que ça occupe un volet important de nos compétences avec la voirie, l'assainissement et les déchets. Cette semaine, nous avons essentiellement orienté notre communication envers les jeunes et sur essentiellement les compétences liées au traitement des déchets et à l'assainissement. Ainsi, les enfants ont pu visiter des stations d'épuration, les différents types de stations, entre le lagunage et les stations classiques. Apprendre globalement ce qui s'y passe, hein, comment on rejette dans le milieu naturel des eaux normalement traitées. Ils ont pu aussi visiter des déchetteries, apprendre les différents métiers liés à toute la filière déchets, voir un peu les mécaniques de tri et de recyclage des déchets. Je crois que c'est très important. Disons également que tout au long de la semaine, nous avons largement été aidés par le tissu local, au niveau notamment donc, du réseau des bibliothèques, hein, qui a bien accompagné l'action. Également donc, les écoles qui ont complètement joué le jeu, ainsi que les structures d'accueil des enfants. Rajoutons aussi que Trivalis, le syndicat départemental de traitement des déchets, s'est associé à notre action, ainsi que Veolia pour le traitement des eaux usées. Aujourd'hui, donc, nous attribuons les lots à un concours qui a été lancé sur un mois auprès des enfants. Fabrique un objet plastique à partir de matières recyclables. Et effectivement, on peut voir que les enfants sont pleins d'imagination, c'est extraordinaire, tout ce qu'ils peuvent inventer. En synthèse, on peut dire que cette semaine a été une excellente semaine avec beaucoup d'actions de communication. Je crois que c'est aussi notre devoir de sensibiliser l'ensemble des acteurs à l'environnement et surtout le public des jeunes.